En région bruxelloise, 10 000 cambriolages ont été recensés rien que durant l'année 2011. À l'approche des vacances d'été, les communes organisent des campagnes de prévention. Comment mieux sécuriser son habitation? C'est un reportage de Jimmy Méo et Julien Raouet. L'équipe de gardiens de la paix se rend chez Denise. Visiblement, sa porte d'entrée et sa serrure ne sont pas des plus sûres. Bonjour, madame. Alors, ces agents communaux distribuent aux habitants ces fascicules et quelques conseils. Quand quelqu'un veut pénétrer chez vous, il va essayer pendant 3 minutes de rentrer chez vous. Ah, d'accord. S'il met plus de 3 minutes, il s'en va, il va quelque part où ce sera plus facile. Il y a énormément de vols, les grandes vacances vont arriver. On vole pour un oui ou pour un non. Et bon, c'est sûr que la sécurité, c'est important. Durant toute la semaine, Thomas, Fabrice et Jean-Marie mènent l'opération Rosas. Ils observent chaque habitation. Exemple à ne pas suivre, un cylindre dépassant de plus de 2 mm. Ou cette rosace vissée de l'extérieur. Une rosace, c'est ceci. Donc c'est simplement un petit module qu'on peut installer sur la porte. Vous voyez très bien ici que la visserie est à l'intérieur. Donc impossible de la dévisser. Dans ce quartier d'Anderlecht, le nombre de vols a considérablement augmenté en un an. L'objectif, impliquer le citoyen et le responsabiliser. Ça consiste aussi pas mal aussi à faire connaître évidemment le service de prévention vol. Donc dans le but d'avoir des gens qui nous appellent pour qu'on puisse faire un audit complet de leur habitation. Une initiative du ministère de l'Intérieur qui dure depuis 3 ans. En région bruxelloise, près de la moitié des portes d'entrée sont dites à risque.